propose de découvrir une petite partie de l'Alsace relativement méconnue qui s'appelle l'Alsace Bossue, tout simplement parce qu'elle est vallonnée. C'est situé à peu près à 80 km au nord de Strasbourg, à la frontière allemande. Et d'ailleurs, c'est une des dernières parcelles de l'Alsace à avoir été rattachée à la France. Ah bah oui, hein, Micheline, elle peine un peu de temps en temps. Hein. Pour percer à jour certains des secrets de l'Alsace Bossue, je vous propose de rencontrer trois personnages qui chacun vont nous mijoter trois recettes typiques traditionnelles, un peu en voie de disparition. Mais avant cela, je croise sur ma route une drôle de chapelle, un point de passage incontournable quand on traverse l'Alsace Bossue. Et nous voilà à l'église de Kirchberg. C'est un lieu emblématique de la région. C'est un peu l'image d'Épinal de l'Alsace Bossue. Dès qu'il y a un dépliant, une carte postale, c'est cette église qui illustre la région. Il faut dire qu'elle a une histoire importante. Ses fondations datent du 8e siècle et c'est l'un des tout premiers lieux de culte chrétien dans la région. Alors en plus, elle est située sur le point culminant de l'Alsace Bossue, un peu moins de 400 mètres. C'est vallonné, mais c'est pas très montagneux. Et du coup, elle peut être vue de tous les alentours de la région. Allez, on va la visiter. Avec le frein à main, c'est pas mal aussi. La chapelle du Kirchberg, dédiée à Saint-Martin, se caractérise par sa tour ronde. On y accède par une entrée décalée. Un office catholique y est toujours célébré chaque dimanche, de mai à septembre. La nef comme le chœur et même le clocher sont accessibles toute l'année. Au sommet, on comprend mieux pourquoi cette petite région, pour ne pas dire ce petit pays, porte fièrement le nom d'Alsace-Bossue. Je quitte Berg presque à regret pour rejoindre à quelques kilomètres de là le petit village de Lohr. J'y ai rendez-vous avec Suzanne, qui perpétue la tradition du lard fumé, sans lequel la cuisine alsacienne ne serait pas ce qu'elle est. Bonjour monsieur, la maison de Suzanne, c'est laquelle? Suzanne? Celle-là en face? Merci, bonjour Suzanne. Je peux me garer là? Bonjour, je suis juste en train de nourrir mes petits cochons. Ah, ben bah j'arrive ah, oui. Pile au bon moment. Voilà, alors. C'est bon, très bien. Hop, on y va, je vous on suis. On y va. Alors, où est-ce qu'ils sont ces petits cochons? Là, ils sont les petits cochons. Et ils ont faim ce matin. Vous élevez des cochons pour votre consommation oui, personnelle? Oui, et pour mes copines. Ouais, vous, il y a une copine qui veut un entier, l'autre copine veut la moitié, alors ce sera tué chez nous. Je fais tout. Ah, vous tuez le cochon aussi, vous? Là, oui, à la ferme. C'est comme ça que vos parents, vos grands-parents oui, élevaient les cochons aussi? Aussi. Et Suzanne, le porc, c'est essentiel dans la cuisine alsacienne, alors, non? Mais oui. Avec la choucroute, la choucroute, c'est alsacien. Et il n'y a pas que dans la choucroute qu'il y a du lard aussi, dans la cuisine alsacienne, non? Oui, mais bon, il faut beaucoup de lard. Quand on fait des knipples, on les fait un peu sauter. C'est un peu une façon de saler l'alimentation pour voilà, et de la parfumer en même temps. Oui, on n'a pas besoin de mettre beaucoup de sel quand on met du lard. Vous pouvez me montrer comment on fabrique le lard? Oui, on va regarder ça, on va faire ça. C'est ici? C'est dans la maison. Dans l'autre côté? Oui. Ah, on y va. De l'autre côté, voilà. Alors, c'est ça le morceau de lard? C'est le lard frais maintenant. Donc ça, c'est la poitrine? La poitrine. C'est toute la poitrine, ça fait combien de kilos? Ça, c'est à peu près 5 kilos. 5 kilos? Ouais. Ah ouais. C'est un sacré morceau. Et là, vous avez retiré les côtes? Les côtes, on a tiré les côtes, oui. Quand il sort du saloir, il n'aura plus 5 kilos. Hein. Il aura perdu ah bah du oui. poids. Bah, on va garder le meilleur. Voilà. Alors là, on a mis des graines de coriandre, ouais. du poivre et du laurier. Oui, un peu de sel. Parce que vous mettez quelle quantité? Au pif. J'imagine. Ça, c'est le pif. C'est une façon de l'aromatiser, de le condimenter, que vous avez toujours utilisé? Vous l'avez toujours fait comme toujours, ça, c'est vrai? Toujours pareil. Et vos parents aussi? Pareil. Hop là. Et on met ça dans le saloir. Attendez, pourquoi vous avez mis un torchon en dessous? Parce que... pour que c'est propre.
On l'a toujours fait comme ça. On l'a toujours fait comme ah ça. Bah alors on va continuer voilà, de le faire comme ça. On va pas changer parce que la Parisienne est en visite. Voilà. Oh, dites donc, c'est escarpé, hein, faut pas se louper. Hop, 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 hop. On marche sur les petites planches? Ouais. D'accord. Le saloir, c'est quoi, c'est ça? C'est ça. Les petits berceaux, là? Oui, les petits... Ah, ce sont des berceaux? Je sais pas. C'est bien, ça. Vous y avez pas pensé? Hein? Ça, dites donc, ils sont anciens, ces saloirs, hein? Bah oui, ils sont vieux, hein. C'est important de faire ça dans la cave? Ben oui, on peut la fraîcheur aller... contribue oui. À l'affinage? Oui. Ouais. Oui. On pourrait pas faire ça non. Dans la cuisine? Non, non, non. D'accord. Non, non, la viande commencerait à travailler. Eh oui, bien sûr. Eh oui. Et là, je mets dans la salaison, hein. Donc c'est là, du lot salé, maintenant. Saumure. Voilà. Et là, vous laissez comme ça pendant combien oui, de temps? 3 semaines. Mais 3 semaines, vous l'oubliez ou 3 semaines? Non, 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 je l'oublie pas. Je vais regarder tous les 2 jours. Ah, vous retournez, clac, clac, tous les 2 jours. Voilà, c'est ça. D'accord. Et après, et là, on fait quoi? Ah, je mets ce linge dessus. C'est pour que ce soit plus propre? Non, 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 non. Au cas où il y aurait une mouche quelque part. Ah, bah finalement, bah, c'est un peu ça. Pour des œufs là-dedans. Hein. Ah, bah c'est un petit... Ça, là, je peux foutre le lard dans la poubelle. C'est assez spectaculaire. Voilà. Et alors là, il y en a un autre? Il y a un autre qui est terminé. Et 3 semaines, vous m'avez dit. Hein. Oui, et celui-là, on va le monter au fumoir. Après la salaison en saumure qui dure 3 semaines, il faut en effet fumer le lard, car en Alsace, c'est comme ça qu'on le consomme. Ah, il y a des pommes qui ont été pondues, là. À l'époque, chaque ferme possédait donc son propre fumoir. Je monte par là? Oui. Chez Suzanne, c'est au grenier qu'il se trouve. Ah, c'est sportif, hein, comme recette. On descend, on monte. Ah bah oui, c'est comme ça. Alors, c'est parti. Et alors, qu'est-ce qu'on fait ici? Ah ben, on va au fumoir. Ah, il est là, le fumoir? Là, là, devant nous. Ah, d'accord, l'espèce de petite niche, là? Oui, 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 ah, la petite niche. Ah, c'est vous qui l'avez construit? Non, non, c'était toujours là. Sur le toujours coin. Là? Oui. Depuis l'achat de la maison? Oui, oui. Oui, donc il date du 19e, alors? Oui. Oh là là, génial! Et ça, c'est que des morceaux de lard? Non, ça, c'est du jambon, ça. Ah oui. Ils sont bons. Voilà. Et maintenant, on va accrocher notre lard. Alors, montrez-moi, je peux vous aider? Non, 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 c'est bon. Non. On l'embroche. Voilà. Le petit bout de lard et on le met dans le fumoir. Et là, Suzanne, vous avez mis de la sciure de quoi? De sciure de hêtre. Mais ça passait pas bon. Et alors là, vous allez faire fumer à froid? Oui, 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 oui. Ça chauffe pas, là? Non, il y aura de la fumée, c'est et, tout. Et combien de temps? Oh, 1 semaine. Voilà, et on ferme, on le laisse tout tranquille, tout gentil là-dedans. Et pendant 8 jours, on peut pas respirer là-dedans, non? Mais vous y allez pas dedans? Ah non, pas là-dedans, mais dans le grenier. Mais si. Si? Il y a pas de fumée dehors. D'accord. Ça reste là-dedans, la fumée. Mais ça, c'est toujours vous qui le faites, c'est ouais. Jamais votre mari. Non, non, il fait rien, mon mari. Il fait rien? Il regarde. On s'installe dehors, alors? Oui, on s'installe pardon. Dehors. Et on va goûter, ce, ah, on voilà va goûter ce fameux lard. Alors là. Vous, il paraît que vous ne faites pas le jambon, ni le lard, mais que vous aimez bien le manger. Manger, oui. Oui, manger, oui. Ça va. Avec modération. Alors, Norbert, vous me montrez comment vous mangez le jambon? Ou plutôt le lard. Moi, je vais commencer par le lard. Alors, ouais. Le lard, il se mange sans gras, hein, sans beurre. Ouais. Juste ouais. Comme ça. Ouais. Et vous, alors, Suzanne, vous en mangez? Oui, si, oui. Si, moi aussi, j'en mange. Et on mange un cornichon ouais, avec? Si on a envie. D'accord. À votre santé. Et la santé des cochons. Non, parce que sans eux, la cuisine alsacienne ne serait pas voilà. Grand-chose. C'est très bon, hein. Il y a un vrai goût de fumée, mais pas trop fort non plus. Ouais. Ouais. Le lard, ça s'accompagne plutôt de vin blanc. D'ailleurs, en Allemagne, on qualifie les vins par le cépage, pas par le château ou par le lieu de production. Le cépage, oui. C'est le cépage qui compte. Oui, oui. Mais ouais. Votre cœur, il est en Allemagne ou il est en France? Il est ici. En Alsace. Ah, voilà. En Alsace, ça, d'abord, c'est important. Nous sommes des Alsaciens et après, avant nous sommes tout. Des Français. C'est vrai. Oui. Et comme la partout. Nouvelle génération, ils cuisinent un peu, les jeunes? Ils ne savent plus cuisiner. Il n'y a pas de transmission. Les jeunes n'ont si, pas si, repris. Mais les jeunes, ils travaillent, ils n'ont pas le temps qu'ils disent, je ne sais pas. Non, non, oyez. Ça, c'est trop de boulot. Oyez, c'est dire quoi, oyez? Oh là, 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 oh là,
J'ai vu en bas que vous faisiez des conserves aussi. Oui. Vous faites de la betterave, les terrines, le saindoux. Le saindoux, ça sert à la choucroute d'ailleurs. On en met dans la choucroute. Les haricots. Demandez voir Martine, la dame qui fait les haricots. Une voisine? Oui, un peu plus loin, oui. Et qu'est-ce qu'elle fait des haricots Salés. Salés, mais pas comme les vôtres alors? Non, non, non. Vous, vous les faites juste en conserve? Oui, et on les met dans un bocal et ils sont salés. Mais comme la choucroute? Oui, à peu près. Ça, c'est intéressant. Et c'est une tradition d'ici? Aussi, oui. Vous croyez que je pourrais aller la voir? Oui, oui. Vous y allez. Si vous la prévenez? Vous y allez cet après-midi. Oui. Je vous dirai. Ah oui? Ah ben, je peux y aller, avec plaisir. Et peut-être que je peux lui apporter un peu de lard alors, parce qu'elle n'en fait pas, elle. Non. Ah ben, je vais lui en emporter un bout, comme ça, on le cuisinera ensemble. D'accord. Sur les conseils de Suzanne, je traverse donc le village à la rencontre de Martine. Cette Alsacienne pure souche conserve la recette des suribones, transmise par sa mère et avant sa grand-mère. Une recette qui nécessite des haricots, conservés des semaines durant dans la saumure. Ils seront ensuite cuisinés avec du lard, bien sûr. Bonjour. Ah, bonjour Julie. Vous êtes Martine? Oui. Suzanne vous a prévenu de ma visite? Oui, oui. Je vous dérange pas? Non, non, je suis en train de faire des suribones. Ah, mais justement, c'est ça dont elle m'a parlé. Eh ben voilà, tu pourras me donner un coup de main. Ah ben, avec plaisir, je peux ça. Eh ben voilà. Alors, comment ça s'appelle? Des suribones. Et ce sont des haricots? Voilà, qu'on met en conserve dans un salage, dans un bac en grès. Donc, dans une sorte de saumure, en fait? Oui, qu'on fait avec du sel et du sucre. Donc, j'ai fait un mélange de sel et du sucre. Pour 500 g de haricots verts, je prends 100 g de sel et 10 g de sucre. D'accord. C'est le même procédé que la choucroute. Voilà, exactement. Mais adapté aux haricots verts. Aux haricots verts, voilà. Et ça, ça permet de les conserver toute l'année, voire plusieurs années. Ah non, sinon c'est salé, salé. Ah oui, c'est le sel pénètre. Bon, il n'y a pas une tonne non plus qui rentre là-dedans, donc voilà. Bien sûr. Tu veux essayer? Je veux bien, parce qu'il y a un geste qui a l'air quand même très délicat. Bah d'ailleurs, je ne l'ai pas. Ah là 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 là, c'est du haricot sauteur. Voilà, maintenant, on va le mettre là, dans le... Dans le pot en grès. Et il y a beaucoup de gens qui continuent de faire de la conservation comme ça, ici? Des personnes un peu âgées, oui. Les jeunes, non, parce que... C'est plutôt une ancienne méthode. C'est une ancienne méthode, oui. Pourquoi tu mets un torchon? Quand la saumure remonte, ça protège un peu les haricots. Et puis, c'est pour le bois et la pierre qui sera posée après. Comme ça? Oui. Donc, on met le bois. Voilà. D'accord. Pour que s'il y a des bestioles, qu'elles ne rentrent pas, ça isole un peu. D'accord. Ça, je laisse comme ça, tout l'hiver. Voilà. Donc, voilà, on pose la pierre. Et là, on la laisse combien de temps? 6 semaines. Avant d'être cuisinés, les suribones doivent être dessalées pendant 24 heures. Martine s'y est mise la veille, elle me propose de l'aider. On va mettre de l'eau à chauffer, à bouillir. On va mettre les haricots dedans. D'accord. On va les laisser cuire une bonne heure. Et puis on les fait revenir avec, bon moi je mets un peu de saindoux, avec un peu d'ail, un peu d'oignon. Et ça, c'est donc le lard fumé que tu as mis à cuire, pareil dans l'eau? Dans l'eau. Il n'y a que du lard, non, ça c'est quoi? Ça c'est une palette avec un bouquet garni, une carotte, un oignon, du persil. Tu recouvres d'eau? Et je recouvre, oui, voilà. Elles sont belles. Alors les saucisses, elles sont cuites? Oui. Et ensuite? On mettra les haricots. Alors, on met l'ail? On va mettre l'ail, oui. Allez, zou. Un petit couteau, merci. Je peux les prendre à la main, non? Oui, oui, aussi, oui, oui. Ou quoi que c'est encore chaud. Tu avais raison. 5 minutes et c'est bon. Mais alors, un peu vite, Ça traîne bien. Qu'est-ce que tu en penses, là, Martine? Oui, c'est bon. Alors, on va faire quoi? On le sert comme ça ou on met dans un plat? On va mettre là-bas dans le plat. D'accord. Je les verse, j'y vais? Oui, vas-y. Alors, ensuite, on va mettre le lard de Suzanne. On dresse comme une choucroute, un peu. Voilà. Tu coupes 3 tranches, là. Il se pousse ça joliment. Merci. Alors, la palette, comment tu la coupes? Peu importe. Peu importe. Allez, eh ben, et après, on va se coucher, non? On fait un footing. On fait un footing. Mais ça, c'est un plat du quotidien ou c'est un plat de fête? Non, c'est un plat du quotidien. Allez, donc, vous en avez un chouette quotidien. Puis les saucisses. Et les saucisses. On va les mettre comme ça. J'ai appelé mon mari. Ah bah à mon avis, l'odeur, il va Il va rappliquer.
Et voici ce qu'il vous faut acheter au marché pour les suribones de Martine. Un peu plus d'un kilo de haricots saumurés, 1 kg de palettes fumées, 1 kg de lard fumé, 4 saucisses à frire, 1 cuillerée à soupe de saindoux, 1 oignon, de l'ail, 1 bouquet garni, du poivre, mais surtout pas de sel. Bonjour voilà. Michel. Bonjour. Pardon, je me suis invitée aujourd'hui. Ah, c'est sympa. J'avais envie de voir une vraie cuisinière alsacienne cuisiner la choucroute de suribone. On peut dire ça? Non. 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 De cuisiner le suribone. Les suribones. Bon appétit. Bon appétit. Et ben vous aussi, merci en tout cas de m'avoir invité, de m'avoir transmis votre recette. Voilà. Je vais goûter les haricots. Excellent. C'est étonnant à quel point ils sont croquants. Moi, je pensais qu'avec des mois de fermentation dans la saumure, puis la cuisson, le dessalage, ils allaient être tout mous. Non, non. Et au contraire, ils sont vraiment croquants et ils ont un goût de frais. Alors vous savez, à la fin de mon voyage, traditionnellement, j'essaye de réunir tous les gens que j'ai rencontrés autour d'un repas. D'accord. Et on fait un plat traditionnel, un petit peu comme celui-ci, un plat ancien. Okay. Et puis ceux qui veulent viennent avec leur spécialité. Je dis ça comme ça, hein. Si par hasard vous avez un petit reste de suribone, vous pouvez l'apporter. Oui. D'accord. Ah ben alors, ça sera avec plaisir. Eh ben, ça me fait plaisir. Eh ben, merci. Et comme ça, on continuera de déguster les suribones. Voilà. Semble être un site incontournable de la région et d'y rencontrer un personnage non moins incontournable. Elle s'appelle Marie-Rose, elle y habite depuis de longues années. Elle est tombée amoureuse d'un habitant et puis d'ailleurs elle est tombée aussi amoureuse du village, de son histoire, de son patrimoine et il paraît qu'elle le raconte comme personne. Alors ça y est, c'est parti, cap sur Petite Pierre. If you feel like a liar, if you're about to leave me, if you can sleep at night. If songs upset you, and if my arms can harm you, then you just have to try. Marie-Rose, alors expliquez-moi, pourquoi ce village ici de la Petite Pierre est si important dans l'Alsace Bossue, historiquement, architecturalement? Au départ, c'était quand même, on peut dire, un lieu où beaucoup de gens venaient se reposer ici. Et vous êtes aussi dans une région qui est très boisée et que les gens recherchent pour le calme et la tranquillité. C'est la proximité des Vosges. Voilà, c'est ça. Vous êtes, comment on dit, petite pierraise? Nous sommes des parvapétriciennes. Oh là 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 là. Alors, vous êtes une parvapétricienne d'adoption? D'adoption, oui. Dans la vie quotidienne, vous parlez alsacien, français? Moi, je parle beaucoup le français, l'allemand très peu, et quand il faut dire des gros mots, c'est alsacien. Et Marie-Rose, je me pose une question. Pourquoi la petite pierre? Parce qu'avant, ça s'appelait Lützelstein. Ça a été francisé par Louis XIV. Lützel, ça veut dire quoi? Stein, pierre. Ah, d'accord. Donc, c'est le nom français de le nom de la ville alsacien ou allemand. Ouais. On va visiter? Oui. Dites-moi, Marie-Rose, j'ai l'impression, moi, d'être dans un film d'opérette ou dans un décor de cinéma. Bah, c'est-à-dire que... Ça a été refait, oui. Le village, donc le Städtele, a été refait il y a 2-3 ans parce qu'on ne pouvait plus marcher, il y avait des creux, des bosses. Ils ne pouvaient plus rouler ici. Et nous avons tout mis sous terre. Hein. Donc, ce qui fait que vous voyez, il n'y a plus des fils électriques, plus beaucoup de fils électriques. Là, vous avez un câble là parce qu'à Noël, nous avons des illuminations. Nous allons rentrer là, de ce côté-là. Ouais. Musée des arts et traditions populaires. Voilà, qui s'appelle les Springele. Alors, expliquez-moi, les Springeler, petit gâteau d'Alsace. Je vous ouvre. Voilà. Ce petit musée présente l'histoire des moules à gâteaux en bois et des pâtisseries de Noël depuis le 15e siècle. Les Springeler en alsacien. De la symbolique à la gastronomie est illustré ainsi le merveilleux travail des sculpteurs sur bois qui ont, depuis le Moyen-Âge, confectionné ces moules à gâteaux présentant des thèmes tour à tour religieux ou profanes. Donc, on faisait la pâte. Qui était donc alors, assez, on préparait assez solide. D'abord la pâte. On l'a laissée reposer 2 jours. Qu'est-ce qu'il y a dans cette pâte? La farine, des œufs, du sucre, une petite pointe de levure et un petit peu d'anis.
Il y a toujours un peu d'épices ici. Voilà, là. Un petit peu d'épices. Et donc, on l'a laissé reposer. Les 48 heures, vous l'étaliez sur la table, vous farinez votre pâte, vous farinez le moule, surtout ouais, pas de matière grasse. Ouais. Voilà. Et vous faisiez l'impression. Et ensuite, on laissait encore reposer 24 heures. Ah bon ? Pour sur que, une plaque, pour qu'elle sèche un petit peu. Pour que l'image s'imprime bien. Et que l'image s'imprime. Je vais vous faire voir aussi, parce que ça, c'est des restes que nous avons de Noël. Voyez. Attendez, vous me donnez quoi, là ? C'est un gâteau ? Ça, c'est un gâteau. Non, c'est un gâteau. Ça se mange, ça ? Ben oui. Ça, c'est un Springer. Ça, c'est le vrai Springer, vous voyez ? Il est cuit. Ah, c'est étrange, mais c'est blanc comme ça. Et c'est blanc. Ça reste blanc à la cuisson. Je peux goûter ? Voilà, vous voyez ? Waouh ! Je comprends que ça se conserve pendant des siècles. Ben oui. Vous allez faire très attention. Ça n'a pas tellement de goût, moi, je trouve. Il y a un dentiste dans la ville ? Oui, près du château. On sait jamais, hein. Mais moi, je trouve ça bon. C'est vrai que ça fait un peu gâteau de survie. Voilà. Donc, avant de la cuisson, il faut faire un petit trou ici. Mmh. Et puis, vous pouvez les accrocher. Et vous, on accroche ça au moment de Noël. C'est joli. Au sapin de Noël. Un peu plus bas, c'est le château de la Petite Pierre que me fait découvrir Marie-Rose. Construit au XIIe siècle, le château et ses fortifications furent largement modernisés par Vauban en 1684. Le château était alors un point stratégique permettant le contrôle d'un passage entre l'Alsace et la Lorraine. Donc là, on a le village, à droite, c'est ça ? Le faubourg. Et là, tout ça, ce sont les Vosges ? C'est les Vosges, oui. Là, c'est la route où vous êtes venu là-bas. Et vous venez souvent vous balader ici ? Oh, de temps en temps. Ouais ? De temps en temps. Pour rêver, voilà, comme si vous étiez oui, châtelaine. Ouais. Mais la vraie curiosité du village n'est pas le château, c'est l'église, que l'on qualifie de simultanée. Simultané, c'est-à-dire que les catholiques et les protestants ont la même église. Avaient le même lieu de culte. Voilà. Mais comment ils s'organisaient alors ? La Petite Pierre avait donc un curé et un pasteur. Ouais. Donc ils s'arrangeaient. Alors à 9h30, culte protestant, et 11h15, la messe. Depuis 1983, nous avons le même hôtel pour les deux confessions. Et auparavant ? Qu'avant, nous avions un hôtel protestant. On poussait. Donc, ce fameux hôtel, le pasteur faisait son culte et on reculait de nouveau le... On escamotait l'hôtel protestant pour que les catholiques puissent procéder. Parce que l'époque disait toujours, le curé ne veut pas faire le tour, il voulait aller tout droit. Je boirais bien un petit coup. Eh bien, écoutez, non seulement j'ai découvert une partie du patrimoine de l'Alsace-Bossue, mais aussi une partie du savoir-vivre et de l'esprit qui règne dans cette région. Ça, c'est important. Merci mille fois. Il est 3h15 sur la mer. C'est par une drôle de visite que je commence ma journée. Avant mon rendez-vous avec Nathalie, qui doit nous préparer la fameuse tarte au quetsch alsacienne, je décide de m'arrêter à Harskirchen, un village au bord de l'eau que les guides touristiques ne mentionnent pas forcément. Et pourtant, vous allez le voir, ça vaut le détour. Ah, c'est joli ! On est au bord de la Sarre. Et au bord de la Sarre, qu'est-ce qu'il y a ? Des pêcheurs et des moulins à aubes. Et notamment celui-ci, c'est le moulin de Villers à Harskirchen. Il paraît que c'est un des plus anciens et des plus traditionnels de la région. Et on m'a recommandé de venir le visiter et d'y acheter ma farine parce que pour la tarte de Nathalie, on a besoin de farine. Alors, où est Roger ? Bonjour Julie, ça va ? Oui, ça va. Ouais. Je vous dérange pas ? Non, là je suis en train de préparer la farine. Bonjour. Bonjour Roger. Ça va ? Ah, c'est vous le meunier ? Oui, c'est moi le meunier. Et là, qu'est-ce que vous faites ? Vous remplissez un sac, c'est ça ? Oui, je prépare la farine pour les boulangeries. C'est mon moulin, oui. C'est à vous ? Ouais. Et vous en êtes propriétaire depuis combien de temps ? Oui, depuis 36 ans. Et auparavant, c'était dans la famille déjà ? Oui, c'était mon grand-père. Et avant mon grand-père, c'était mon arrière-grand-père. Ah oui, carrément. Ouais. Le moulin, il a quel âge ? Ben, le moulin, il est natif de 1532. 1532, incroyable. Ouais. Il a presque 5 siècles. Presque 5 siècles, oui. Waouh. Le
traditionnel qu'on retrouve dans les moulins de la Sarre? Oui, qu'on trouve dans les moulins de la Sarre, mais il y en a, c'est un des derniers qui reste. Ah oui, ouais. Avec toute cette construction en bois, voilà, ce système en bois. Alors là, vous voyez la roue de, l'intérieur, ouais, qui est actionnée par la roue de dehors, qui fait 5 mètres de diamètre. Plus elle est grande, plus ça va générer de l'énergie. Voilà. Là, vous avez une courroie qui va au quatrième étage. Quatrième, ça monte encore 4 étages. Ouais. Il tourne régulièrement votre moulin? C'est un moulin qui tourne entre 16 et 18 heures par jour. À quelle heure vous êtes levé ce matin? 4h30. C'est pire que les boulangers. Hein. Ouais, ouais. La roue extérieure est la seule source d'énergie du moulin. Par un système de poulies et d'engrenages très astucieux, elle fait tourner toutes les machines réparties sur les 4 étages de la bâtisse. C'est le blé. Donc là, il n'est pas nettoyé? Non, là, il n'est pas nettoyé. Je peux? Oui, oui, allez-y. Hein. Et après, donc? Il remonte jusqu'au quatrième. Sur chaque étage, il y a une autre machine et chaque machine enlève une autre impureté de blé. Après avoir été lavé et trié, le blé monte ensuite d'un étage pour être broyé une première fois dans les laminoirs. Là, c'est des cylindres que vous voyez. D'accord. Et la première mouture, c'est les grains. Je peux? Oui, oui, attention la main. Hein. Ouais, ouais. D'accord. Ouais. Et tout ce qui est donc dedans, là, c'est le blé complet. Voilà, c'est ce qu'on peut dire. Tout ça, ça va monter et ça va passer sur un tamiseur. Ça veut dire que ça va passer sur un plan de sichetère. Donc on va séparer la farine du son et de l'écorce. Et c'est ça que vous passez à la cire d'abeille? Oui, oui. Ouais. Et tous les combien? Je cire tous les semaines à peu près 4 heures. 4 heures de cirage par semaine? J'ai à peu près 10 heures de balayage par semaine et 4 heures de cirage. Mais vous travaillez tout seul dans ce moulin? À peu près 90%. Voilà, on va fermer, hein. C'est vraiment la machine du professeur Nimbus. Une fois broyé, il faudra encore le tamiser, le broyer à nouveau, le retamiser avant d'obtenir la précieuse farine. Là, vous voyez les tamis devant vous. Oh, c'est dingue, ça. Là, vous voyez comment les tamis sont superposés là, à l'intérieur. Il y en a 13 de chaque côté. Hein. Alors là, on voit la farine qui rentre dans le silo. Donc ça, c'est la farine qui est prête à être mise dans les sacs. Oui, quand elle est finie, il faut l'ensacher. Qu'est-ce que c'est ingénieux. Ah oui, elle est très très fine, on dirait de la fécule. Ouais. Au dernier étage, le cœur du système. Oh là là, c'est dingue. C'est ici que se trouve en quelque sorte le moteur du moulin. Là, vous avez le fameux système, le treuil. Plus que je tire, plus c'est serré. Quand c'est assez serré, sur la courroie, il y a l'embrayage qui va monter et puis le sac qui monte. Là. C'est super malin. Et si on veut arrêter à n'importe quel étage, on arrête, il y a le poids qui se retire et, et ça s'arrête. C'est très écologique ce système. Et ça, c'est toujours du cuir? Oui, ça, c'est du cuir véritable. Ça, c'est des courroies qui ont été cousues autrefois avec des nerfs de bœuf ou des nerfs de vache. Avec des nerfs de bœuf? C'est aussi une courroie qui a plus de 80 ans. Hein. Oh là là là. Vous savez quoi? J'ai hâte de goûter. Alors, peut-être pas le pain, mais au moins la flamme cuche. Bah, ouais, on va goûter après. À côté de son moulin, Roger a ouvert une auberge où il propose avec sa femme et sa fille des flammes courts. Ces tartes typiquement alsaciennes, cuites au feu de bois. Bonjour. Bonjour. Voilà Julie, je te présente Ariane, ma femme. Qui a déjà les mains dans la... Oui. Pas dans la farine, mais presque. C'est bonjour Ariane. Bonjour. Alors c'est elle qui prépare la pâte. Ah, c'est vous qui faites les flammes courts? Oui, oui, c'est moi. On fait des flammes gratinées aussi, des flammes aux champignons, flammes minster, au minster. Mais ça, c'est la traditionnelle, Ça, c'est la classique. La classique, La plus ancienne. Ouais. La crème entière, une bonne louche. Et les oignons, tu les fais pas revenir, ils sont crus. Non, on les prend toujours crus. Ouais. Mais en revanche, ils sont coupés très, très fins. Très, très fins. Alors après, on rajoute les petits lardons. Tu peux enfourner, Roger. Ça y est, c'est prêt, là? Oui, c'est prêt, Et il faut que ça cuise tout de suite? Oui, oui. Ça cuit combien de temps? Oh ben à peu près 80 secondes. Ah oui, c'est très très rapide. Ah ouais. Mais il faut que le four soit très chaud. Ah oui. Wow. Oh là là, qu'est-ce que ça donne envie. Hein. Vous avez compris que si vous voulez faire une flamme courte à la maison, on fera avec un four électrique ou un four à gaz, mais il faut qu'il soit très 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 chaud. Idéalement, vous mettez, si vous en avez une pierrade dans le four. Comme ça, ça va permettre de saisir la pâte. Voilà. Mais tu m'as raconté des carabistouilles, là, ça fait plus de 70 secondes. C'est pas assez chaud? Toi, tu l'aimes bien cuite? Oui. Voilà, il est Allez, elle est cuite. Et j'en fais quoi? Je la mets là? Oui, je la mets là. Et puis après, on va la découper. Hein. Ah. Alors, je me souhaite un bon appétit. Hein. Eh ben, merci. Oui. Ça peut être que bon. Ouais. Mais ce qui est bon, c'est que les oignons et les lardons sont coupés très fins.
Oui. Et du coup, c'est juste saisi. Plus que c'est coupé fin, plus ça a un meilleur goût. Oui. Ah oui, c'est vrai. Bah oui. Ah, c'est ça la petite différence. Ouais. Et puis la farine. Ouais. Ça fait quand même une grosse différence, la farine. Ça joue aussi un grand rôle, la farine. Bah oui. Et ça fait combien de temps que vous avez ce restaurant, alors? C'est quelle année on a commencé? 94. Et toujours en famille? Ça fait 18 ans, oui. Ouais. Toujours en famille, oui. Oui. Et vous travaillez dans le restaurant? Oui. Ah oui, aussi? Oui, oui. Bah, c'est vraiment une coup de main. Ouais. Bon, pardon, moi, je la mange à la strasbourgeoise. Hein. J'aime bien manger avec les doigts. Ouais. Vous avez raison, hein. Ah, c'est bon, hein. On s'embrasse. On s'embrasse. Alors, je vous ai apporté de la farine parce que j'ai visité un moulin dans le coin. Et je me suis dit que pour la tarte, ce serait utile. Super. Je mets mon tablier. Alors, et moi, je vais enlever mon manteau. Où est-ce que je peux le poser? Pose-le dans la ch'toube. Accroche ta veste à une chaise. La ch'toube? Qu'est-ce que c'est, la ch'toube? Le salon. D'accord. Oh, y a un beau poêle, hein. C'est ce qui chauffe la maison? Ça chauffe la pièce. La ch'toube? La ch'toube. Donc là, on prépare une tarte au couette séchée et il me faut une pâte feuilletée. Tu commences par quoi? Alors d'abord, je fais une détrempe, c'est-à-dire un bâton, oui, une base de pâte. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. Alors, 50, c'est là. J'adore cette petite balance. Je vais rapporter ça dans mes valises. Donc j'ai la main lourde. Bah non, le chat. Est-ce que je fais bien? Très bien. Pendant que la pâte repose, je propose qu'on aille dans le jardin. D'accord. Je vais te montrer le four à pain dans lequel on sèche encore les couettes. Tu me suis? Oui, je te suis. Ah, il est somptueux, ce jardin. Oh, ça doit demander un travail, un entretien de fou. Ça, c'est les couettes? Non, ça, ce sont des prunes traditionnelles. Les couettes sont plus petites, plus oblongues. Ah, je vois, et plus bleu. Et un peu plus bleu, exactement. Et pourquoi on n'a pas de couette alors? C'est pas la saison? C'est pas la saison. D'accord, c'est pour ça que tu les utilises séchées. Toute l'année, en dehors de la saison. Voilà, c'est pour ça qu'on les séchait autrefois, pour les conserver. On les plaçait bien les unes contre les autres. Et toujours la pointe vers le haut? Pour pas que le jus ne s'écoule, puisqu'il faut qu'elle reste quand même un petit peu... Voilà. J'ai compris. Et ça, tu voyais ta maman ou ta grand-mère faire ça? Ma grand-mère faisait ça. Ouais. Nous, on faisait ça aussi à une époque. On peut le faire que dans le four à pain? On ne pourrait pas le faire dans un four électrique? Non, tu peux le faire dans ton four électrique. Voilà. Et on ferme. Donc là, on les laisse jusqu'à demain matin. Et alors maintenant, t'as quand même des couettes séchées dans bien la sûr. Cuisine. Bien sûr, j'ai celle de l'année dernière. Ah ben voilà, c'est le principe. Donc on va y aller. Eh ben on y va. Tu prends le panier? Oui, prends le panier. Ah, ça y est, le soleil est revenu. Oh, c'est un paradis. Hein. Et c'est une maison qui date de quelle époque? Elle est de 1749. D'accord. À l'origine, donc avant la Révolution. Tu vois, Julie, ça, ce sont les couettes que j'ai fait sécher l'année dernière. Ah oui, ça ressemble un peu à des pruneaux, mais en plus petit. En plus petit, en moins souple. Mais ça se conserve indéfiniment. Ah oui. Par contre, nous, on ne les utilisera pas comme ça pour la tarte. On va les réhydrater. C'est bon. D'accord. Ouais, c'est très bon. C'est moins sucré que le pruneau. Ça servait aussi de bonbons autrefois, tu sais. Ben oui. On n'avait pas de bonbons, les enfants n'avaient pas de bonbons, donc ils se prenaient un pruneau. En tout cas, ça ne pouvait pas rentrer dans une conversation, parce qu'une fois que tu l'as dans la bouche, tu te tais. Pour réhydrater ses couettes, Nathalie les a plongées dans l'eau toute une nuit. Ça faisait bonbons, mais ça pouvait faire chewing-gum aussi. Hein. Ah, tu les as mis à cuire dans le poêle? Oui, dans le poêle en faïence, comme ça mijote tout doucement. Regarde. Ah ouais, ah ben là, ça ressemble encore plus au pruneau. Là, ça ressemble au pruneau d'un genre. Là, pour une tarte, tu comptes combien à peu près de couettes séchées? Alors, on dit un bol.
Tu sais les bols qu'on prenait, que nos anciens prenaient au petit déjeuner. C'est ça? C'est à peu près ça. C'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Maintenant, on les laisse refroidir un tout petit peu. D'accord. Sinon, on va peut-être étaler la pâte alors en attendant. On peut faire ça. Un grand moule à tarte. Tu reposes. On essaie de viser juste. Pas mal. Nathalie, je prends les couettes. Maintenant, il s'agit de les passer au moulin à légumes. On dirait que tu as fait ça toute ta vie, Julie. On a nos couettes en purée. On va les mettre directement sur le fond de tarte. Non, pas tout de suite. On va mettre un peu de vin blanc. Ah bah tiens. Ce qu'il faut. D'Alsace. De préférence. Un peu de cannelle. Et selon toi, cette tarte, on pourrait quand même, pour ceux qui n'ont pas de couettes séchées à disposition, qui sont nombreux en France, on pourrait la faire avec des pruneaux? Mais bien sûr. Mais en mettant moins de sucre alors, peut-être. Tu étales. Comme ça, ça va? Très, très bien. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Ensuite, on va faire des motifs. On va faire des fleurs en forme d'étoile. Là, tu mets les enfants sur le cou en général, non? Ils doivent adorer. Tu fais un trou au milieu. Et moi, je vais faire une tige. Ça. On va l'enfourner. Ça se présente bien. Combien de temps? Trois quarts d'heure à 200. Voilà. Tu sais quoi? Je vais noter tout ça parce que je suis pas sûre de m'en souvenir. Je prends mon petit carnet. Pour la tarte au quetch séchée de Nathalie, il vous faut un bloc de pâte feuilletée, maison ou du boulanger, un grand bol de quetch séché ou de pruneau, 10 centilitres de vin blanc d'Alsace sec, 100 g de sucre, un peu de cannelle, si on aime ça. Cuisson, 40 minutes. Et voilà. Bonjour. Je te présente Maxime, mon fils. Salut Maxime. Oh, dis donc, et puis t'as une jolie vaisselle. C'est la vaisselle alsacienne traditionnelle? C'est la vaisselle alsacienne traditionnelle, oui. Ça s'appelle le service alsacien. Tu te mets là, Maxime, ou là? Oui. Tiens, mets-toi là. Alors. Ces tartes alsaciennes et cette tarte en particulier, ça se mange plutôt au goûter, le matin, en dessert? C'était le dessert du repas de la Kirb. De la fête de la Kirb. De la fête de la Kirb, de la fête foraine. Et c'est quand? À quel moment de l'année? En général, à l'automne, parce qu'à l'origine, avant la Kirb, c'était une fête des récoltes. Et donc, il y avait cette tarte-là, plus une tarte aux pommes râpée. D'accord. Ah oui, qui est traditionnelle d'ici. Qui est traditionnelle aussi. Alors, Julie. Ah ben, avec plaisir. J'ai pas fait de part trop grande. Maxime? Merci. Voilà. Super bon, hein. C'est bon, hein. Le goût de la quetch avec la cannelle, c'est bon, hein? Le vin blanc, c'est super bon. Je te revois à la fin de mon séjour pour déguster peut-être d'autres spécialités alsaciennes. Ah, j'aimerais bien. Voire même des spécialités que tu ne connaîtras pas. J'espère. En tout cas, on fera déguster la tarte à nos amis. Super. Ok. Spécialité qui est propre à l'Alsace bossue, à cette région de l'Alsace, qui s'appelle les Kneppel, prononciation maison. Hein. Les Kneppel, ce sont des petits ravioles farcis, qui sont en général farcis de porc haché, d'épinards et de poireaux. Mais après, ça dépend un petit peu de l'inspiration du cuisinier, puis surtout des produits qu'on a à la saison. Alors, en l'occurrence, nous, on a trouvé un chef qui va nous les faire. Et lui, il aime bien les faire aux escargots, parce que les Alsaciens sont très friands d'escargots. On est en route vers une ferme aux escargots pour rencontrer Marie-Thérèse, une éleveuse d'escargots. Ça ne doit pas être un métier trop stressant, hein. Bonjour. Bonjour. Bonjour Julie. Julie. Ah bah oui, là effectivement, il n'y a plus de doute. Alors là, vous êtes dans votre... Nous, on appelle ça des parcs. Des parcs, oui. Des parcs à escargots. Voilà, d'accord. Des parcs à escargots. Donc, on les met dans les parcs pour qu'ils ne se sauvent pas trop.
Hein, donc c'est pour ça qu'il y a ces certains. Petits voilà, donc part, là, y a, oui. Et puis là-dedans, il y a une bande électrique. Donc dès qu'ils montent, boum, voilà, ils redescendent parce qu'ils sont un petit normalement, peu... Normalement, oui. Et c'est alors ça, ça ce sont, ils appartiennent à quelle race, variété? Donc ça, c'est l'escargot gros gris. C'est un escargot qu'on a uniquement pour l'élevage. Ça, c'est les tout petits qu'on a mis dedans il y a 15 jours. C'est quoi l'âge adulte d'un escargot? Pour nous, les escargots âge adulte, c'est 5 mois. Ils ont 5 mois. Voilà. Ah, parce qu'il y a des saisons pour les escargots? Mais en hiver, nous ne pouvons pas mettre d'escargots dans les parcs. À partir de fin octobre, on a des gelées. Donc s'ils gèlent plusieurs jours de suite, les escargots meurent. Donc c'est un élevage qui est vraiment saisonnier? Oui, oui, oui. Ça vous plaît comme métier? C'est calme. Je me disais, ça ne doit pas être stressant comme métier. C'est pas stressant comme métier, mais il faut quand même tout le temps être derrière. Hein. Dites-moi une chose, vous les vendez vivants ou vous les vendez en bocaux? Alors il y a des gens qui veulent des escargots vivants parce qu'ils ont l'habitude de les faire eux-mêmes. Mmh. Après, il y a des gens qui veulent des cours bouillonnés, donc des tout prêts. Hein, et je peux voir comment vous faites pour les ébouillanter? Les ébouillanter, bien sûr, je vais vous le montrer. Ah ben alors super, je vous suis à la cuisine. Alors là, c'est la cuisine. Oui. Ah non, c'est un laboratoire même. Là, c'est mon laboratoire, oui. C'est là que je travaille. La cuisine des escargots se déroule en deux temps. Ils sont d'abord ébouillantés, avant d'être sortis de leur coquille et nettoyés. Ce n'est qu'ensuite qu'ils seront cuisinés en courbouillon, puis mis en bocaux. Et vous en faites combien par jour en saison? Avec mon mari, on en fait à peu près 2000 par jour. Là, c'est un endroit où je pince directement. Voilà. Et après, je vais les nettoyer. Mais ça, vous ne gardez pas? Non, ça c'est ça, ça, mange pas. Ça c'est la saleté. Ben voilà, je vais vous embaucher. Ah bah attendez. Ah non, mais moi dès qu'il s'agit de bien manger, hein. Le petit secret de Thérèse est de rajouter un peu de Melfort, ce vinaigre doux au miel et aux plantes aromatiques typiquement alsacien. Alors là, on va les laisser cuire combien de temps? On va les laisser cuire 2 heures. Ah oui, carrément. Deux heures à petit feu. Ah oui, petit feu. Donc, je comprends pourquoi on les achète en conserve. Ah, c'est un sacré boulot. Oui. Hein. Ah oui, oui. Alors moi, je vais avoir besoin d'apporter un bocal, peut-être même deux, d'escargots, préparés comme vous venez de le faire, à Denis. Vous le connaissez, Denis? Oui, bien sûr que je connais Pour qu'il Denis. Puisse faire ses ravioles. Oui. Est-ce que vous avez des bocaux déjà? Bien sûr. Ah, ça vous ennuie de m'en donner un non, ou deux? Non, pas du tout. Enfin, je vais les en chercher, oui, oui. Ben merci Marie-Thérèse. Eh ben je vous en prie. Pour cette leçon d'escargot. Oui, c'était assez mystérieux. Ça m'a fait plaisir. Oui. Merci beaucoup. Pour terminer mon voyage, c'est vers Vollringen que je me dirige. J'ai rendez-vous dans ce petit village avec Denis, un restaurateur. Denis connaît la recette des Knäppel, cette sorte de raviole alsacienne que l'on mange depuis des générations dans cette merveilleuse Alsace bossue. Bonjour. Ah, bonjour Julie. Alors Denis, je vous ai rapporté des escargots parce qu'on m'a dit que vous alliez faire une... Ah bah c'est peut-être ça, une recette de raviole aux escargots. Oui. Je vous embrasse. Oui. Et du coup, je vous ai rapporté des escargots de chez Marie-Thérèse, vous la connaissez? Oui, je la connais. Ouais. Je me sers chez elle. Ah bah alors c'est bon produit. Hein. Alors attendez, là vous faites quoi? Vous faites des... Je fais de la pâte à nouilles. Vous avez fait un puits de farine. Voilà. Quelle quantité à peu près? 500 g de farine, 12 g de sel. 12 g de sel, je vais noter, pour archiver la recette pour l'éternité. 3 œufs ouais. Et 6 jaunes. D'accord. Et 2 cuillères à soupe d'eau. Ouais. Voilà. Ça c'est une recette vraiment traditionnelle. Et toutes ces recettes alors qui sont à votre carte, les flammes et pas seulement les Knäppel. Oui. Elles vous viennent d'où alors? Vous les avez trouvées quoi? Dans un livre auprès de vos parents? La maman. Dans notre famille, on est cuisinier. Du côté de ma mère, 5e génération. Ouais. Du côté de mon père, 3e. Alors bientôt une 4e, je pense. Un sacré atavisme. Et donc voilà.
puis on est tombé dedans. Dans la marmite. Petits. Voilà. Puis après, on l'a fait reposer un peu, pendant une demi-heure, une heure. Alors, pendant ce temps-là, on va faire quoi, la farce? On va faire la farce à l'escargot. Voilà les cagouilles. Moi, j'ai un papa charentais, on appelle ça les cagouilles en Charente. Et alors, ceux-là, on les appelle comment en Alsace? Schnecke. Schnecke. Alors, on les ouvre? Pour la recette, je vais en prendre 24. Et après, je les arrache un peu. Dites-moi si je peux aider. Je vais mettre une échalote à revenir. Eh ben, on y va, je vais le faire. Voilà. Et on les fait quoi? Dorer? Non, non, juste suer, ouais. D'accord. Et après, je les mets. On va saler un peu, poivrer. Poivrer, j'adore, poivrer, poivrer. J'adore, hein. Le poivre, j'adore. Une fois que c'est sué, je mets de côté. D'accord. Pour l'instant, je prends mon chèvre. Vous mettez du chèvre? Je mets du chèvre. Chèvre frais. Hein. Ça, c'est du chèvre frais. Donc ça, c'est du beurre d'escargot que je fais aussi moi-même. Ouais. Recette de ma mère aussi. Ail, persil. Ail, persil, échalote. Échalote. Et en quantité, et par contre, je rajoute... Qu'est-ce qu'il y a? Je rajoute un peu... Un peu de quoi? De poudre d'amande. La poudre d'amande permet... que le beurre se décompose pas. Maintenant que c'est froid, on va le mélanger. D'accord, je vais le faire. Au beurre d'escargot et au fromage de chèvre. Et au fromage de chèvre. Voilà. On rectifie un peu l'assaisonnement. Oh bah oui, ça manquait de poivre. J'aime le poivre. Là, on a la farce. Pour les knépleux, une fois la pâte à nouilles reposée, il faut préparer les ravioles. On roule donc la pâte en large bande, soit au rouleau, ou pour les amateurs équipés, le laminoir sera plus rapide. Pour cette recette, il nous faut donc 750 g de pâte à nouilles, 80 escargots égouttés, 320 g de chèvre frais, 2 échalotes, 200 g de beurre d'escargot et un peu de poudre d'amande. Je mets un escargot, un peu de farce. Tac. Donc je mouille un peu, on rabat, voilà. Ça permet d'en faire plusieurs à la fois, voilà. La technique. Et après on sort l'air. Parce que s'il y a de l'air dedans, il risque de s'ouvrir, oui, c'est après, ça. Hein. Et après, je découpe avec... Tiens, je vais finir. Hop. Maintenant, on les met dans l'eau bouillante. À l'extérieur, mes premiers invités arrivent. Tous ont répondu présents. Roger le meunier a même laissé pour quelques heures son moulin. Marie-Rose est venue de la Petite Pierre. Et Suzanne n'a pas oublié le lard et le jambon pour l'apéro. Ce déjeuner s'annonce bien. Julie, elle n'est pas là, hein, je la vois pas, Julie. Moi, elle est sûrement en cuisine, là, derrière. Retour en cuisine, en effet, où il est temps de cuire les knépleux. On va mettre les ravioles. Oui. Ça dure 2 à 3 minutes, suivant qu'elles sont sèches ou pas, qu'on les a préparées un peu avant. Sinon, c'est 2 à 3 minutes, pas plus. À table, c'est l'heure des premières dégustations. Tandis qu'en cuisine, Denis met la dernière touche à sa préparation. J'y vais ? Vous allez. Allez mettre sur une assiette. Mm-hmm. Denis prendra soin d'y ajouter quelques croûtons pour donner du croquant et une sauce à la crème toute simple. Regardez, il y en a, là, il y en a un de plus que là. Ouais. Il y en a un de plus pour vous. Il faut faire quelque chose. Ouais. On est d'accord. Ouais. Sacrément bon. J'aurais jamais osé le chèvre avec l'escargot. Voilà. Mais ça fonctionne parce qu'il est doux. Chèvre, alors félicitations. Merci. On l'apporte à nos amis parce qu'ils nous attendent dans l'instant. Ouais. Allez. Allons-y. Bonjour, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Alors, je vous apporte des Gefilte Knepple. Knepple. Bon, on n'est pas loin. Schnecke. Voilà. Allez, je vous sers. Pardon. Merci, ah, Julie. Un peu de crème. Ah, bah. Quand même. Là-bas. Hein. Merci. C'est excellent. Hein, c'est en tout cas, je voulais vous remercier parce que vous m'avez tous accueillis à bras ouverts. Il y a surtout une chose qui m'a frappée, c'est que partout où je suis allée en France, moi, je recherche toujours les recettes classiques, traditionnelles, à l'ancienne, qui disparaissent un peu parce que nos modes de vie évoluent. Évidemment, les femmes travaillent, on ne va pas s'en plaindre, mais on a moins le temps. Et en Alsace, c'est peut-être la seule région où j'ai eu aucun mal à les retrouver, ces recettes. Parce que vous les aviez tous préservées, oui, avec beaucoup d'attachement aux racines. Ah, alors je mets le plat là.
Comme ça, c'est vous qui servez. Hein. Tout le monde connaît les suribones? Oui, on les connaît. Les haricots salés. Les haricots salés, tout ça, c'est connu. Ah bah, je vois qu'il y en a une qui est sur le coup. Alors, vous savez, Suzanne, c'est une très bonne saucisse qui est faite maison. Oui. Hein, avec des bons produits, des bons cochons. Ben oui. Élevés sur de la paille. Par une très gentille dame. C'est le du jambon de devant que je fais la saucisse. C'est bon. Merci. Les gratons. Non, mais je vous en prie, avec plaisir, mais j'aime bien entendre. Mais Julie, mes enfants sont arrivés en maternelle, donc ils ont maintenant 14 et 18, c'est pas non plus il y a 50 ans. Ils ne parlaient pas un mot de français. Ah oui ? Ils ne comprenaient pas la maîtresse. Vous êtes en double culture, en triple culture. La culture alsacienne, la culture française et la culture allemande, en fait. C'était aussi le problème, tout de suite après la guerre, il ne fallait pas parler alsacien, c'était interdit à l'école. Oui, mais même moi. C'était mal vu. Et si un gosse parlait l'alsacien, il était puni par le maître, on lui donnait un caillou, il faisait le tour de la récréation. S'il voyait un copain qui parlait en alsacien, il lui donnait le caillou. Et en général, après la récréation, quand il rentrait en classe, le maître demande qui a le caillou. Celui qui le tendait, il avait la punition. Ah oui, c'était vraiment le bonnet d'âme. Ah oui. Pourquoi ? Parce que ça rappelait les années d'occupation, c'est ça ? Ça rappelait le souvenir de l'ennemi, en fait. Suzanne, une petite goutte ? Voilà ! Ah, la tarte au couec séchée de Nathalie. Une petite part pour Suzanne. Oui. Bon, on peut vous dire le petit secret de Nathalie quand même, hein. C'est qu'à la fin de la cuisson, quelques minutes, tu la déposes sur la sole du four, c'est-à-dire le sol du four. Je vais laisser les conversations et les agapes continuer. Moi, je vais prendre une petite semaine pour digérer parce que c'était délicieux, c'était charmant, joyeux, mais j'étais quand même très copieux. J'espère qu'on vous a donné envie de faire les recettes chez vous, d'entretenir leur mémoire. Et puis, si ça vous a plu, bah, soyez là pour la prochaine. Salut. On n'aura pas la visite. Ah, avec le frein à main, c'est pas mal aussi. J'avais envie de voir une vraie cuisinière alsacienne cuisiner la choucroute de suribone. On peut dire ça ? Non. Non. C'est la séquence humiliation.